J'ai pas montré comment j'ai ramené tous ces éléments, mais les plus gros que je suis en train de manipuler maintenant, ils font pas loin de 60 kilos chacun. Je sais pas trop quoi faire encore, alors je suis en train de faire des essais. Et ça a l'air de bien s'emboîter. Là, juste devant, il y a une erreur. J'ai inversé le rondin, mais je ne l'ai pas vu encore. Bon, là, même en accéléré, on dirait qu'il ne se passe rien. Mais je suis en train de récupérer les planches qui sont derrière. Et elles sont assez grosses, elles font plus de 60 kilos chacune. Et je vais vous montrer, c'est toute une logistique pour les ramener. Voilà, je dois les faire passer par là, par la terrasse que je viens de terminer. Il faut que je les fasse glisser tout le long, sur les lames. Et là, j'ai installé une mini rampe. Et voilà la planche qui est en cours de montage. Voilà, ça c'est une planche. Il y en a trois pour terminer la table. Bon, je me dis que c'est un bon test aussi pour la terrasse, vu que il n'y a pas loin de 300 kilos à mon avis sur avec cette table. Et voilà que je me suis aperçu de l'erreur. Bon, heureusement, pas trop de mal. Il y a juste à retirer les éléments, inverser, et voilà, c'est remis en place. Ni vu ni connu. Alors, je vous montre ça parce que la table, elle est montée sur le même principe que la maison. Voilà, ça se monte rondin sur rondin, avec des croisements. Aucune fixation. C'est exactement ce qu'on a fait sur le sauna juste en bas. Et sur la maison. Et pour faire ça, il y a juste besoin d'une tronçonneuse. Et voilà un petit tour de la table une fois montée. Bon, il reste encore à la poncer. Mais ça, on verra plus tard.